bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui, on va voir une surprise dans ce numéro et ce sera plutôt vers la fin. Allez, un petit indice, ça concerne Monseigneur Ravel. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique. On dit que la musique adoucit les mœurs. Et on va retrouver Lucille et Adeline. Elles font partie de l'association européenne des musiciens en hôpital. Et là, on les a suivies dans un EHPAD à Mulhouse. On écoute. Tous les mois, c'est le même rituel pour Lucille et Adeline. Je me réjouis, je me souviens un petit peu de chaque chanson que j'ai préparée et je suis calme et je suis prête pour rencontrer tous les résidents. Ces deux intermittentes du spectacle sont employées par l'Association européenne pour la musique à l'hôpital. Bah alors là, on ne va pas jouer en concert devant des personnes, on va être au milieu des personnes et ça va être vraiment un échange plutôt qu'un musicien qui fait de la musique pour un public. Ici qui parle, connaît chanter, c'est vous allez, K et maman. Ici qui parle, connaît chanter, c'est vous allez, K et maman. En fait, quand vous amenez la musique en milieu de santé, ce qui est assez extraordinaire, c'est d'observer le regard et de voir combien il pétille et combien il y a cette émotion. Et ça, c'est ce qui motive, en fait, quand je suis dans mon bureau pour organiser ces projets, bah, je me remémorise ces regards et ce pétillement. Et avec ça, je suis assez animée pour faire que ce projet soit sur les rails. L'association fondée en 2004 forme spécialement des musiciens pour intervenir auprès de ce public un peu particulier. On a du répertoire de chansons traditionnelles qui peut suggérer voilà, que souvent les personnes connaissent, du répertoire de la chanson française comme la Java bleue, Voulez-vous danser grand-mère, voilà, qui sont peut-être plus de l'époque et qui aussi que sont susceptibles de connaître les personnes. Après, on joue aussi des musiques qu'on aime et qui nous font plaisir, des musiques du monde. Voilà, un mélange de tout ça. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari? Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Je voudrais qu'elle vienne souvent. Si vraiment ça me plaît, ces chansons. Et bon, qu'on a un certain âge déjà quand même, mais on les a toujours encore dans la tête. Voilà. Et on aime les garder dans la tête de temps en temps. Hein. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu es le fruit de notre amour. Bonjour. De joie, de bonheur et de partager et de pas de enfin on donne beaucoup mais ils nous donnent beaucoup aussi, enfin c'est vraiment un échange, un partage voilà qui est super. Ils m'ont appelé vilaine. C'est l'animatrice de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a fait appel à l'association. Selon elle, la musique a un réel impact sur les résidents. Oui, ils sont apaisés, ils sont bien, ils nous le disent. Ils verbalisent vraiment les émotions qu'ils ressentent. Et vraiment, c'est agréable pour nous parce qu'on se dit au moins on a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Et pour une personne qui était assez fermée ou pas bien dans son corps et dans sa tête. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit plus qu'on apporte. Une heure de représentation plus tard, les artistes se dirigent vers les chambres pour des concerts privés. Là, c'était plutôt festif et très participatif. Peut-être dans les chambres, maintenant, ça va être quelque chose de plus intime et quelque chose de plus calme. Bonjour. Un petit peu de musique. On est venu vous jouer un peu de musique.
Après avoir joué pour plusieurs personnes ne pouvant se déplacer, la mission des deux jeunes femmes s'achève. Un guéron des Flandres s'en va en Wallonie. S'en va-t'en Wallonie. C'est unique, c'est magique. Enfin, moi, j'adore ce métier. Vraiment toutes les petites phrases. Tout ce qu'on apporte d'émotions, parce que là, c'était... Il y a eu globalement que des très bonnes émotions, mais même quand il y a des larmes, au final, qu'importe l'émotion qui ressort, c'est toujours quelque chose qui sort et qui doit être exprimé d'une manière ou d'une autre. Du coup, c'est... Voilà. En tout cas, c'était vraiment bien. Ouais, c'était vraiment bien. Ils sont 15 musiciens professionnels, comme Lucille et Adeline, à adoucir le quotidien des personnes âgées ou hospitalisées en Alsace. Ah, ça fait du bien d'écouter un peu de musique. Et justement, de la musique, il y en aura encore un petit peu dans le reportage qui suit. Il y a un peu plus d'un mois, Monseigneur Ravel est allé en visite à l'Institut Saint-André. Alors l'Institut Saint-André, c'est un des plus grands établissements dans lequel il y a des personnes en situation de handicap mental. Il y en a à peu près 600, pour vous donner un ordre d'idée. Eh bien, nous l'avons suivi pendant cette visite. On regarde. Directeur général de l'association. C'est la première visite de Mgr Luc Ravel à l'Institut Saint-André de Cernay. L'archevêque est accueilli dans une institution qui a 125 ans aujourd'hui, un ESAC qui a 40 ans de vécu et d'expérience sur la place de Cernay. Et je dirais cette fibre catholique également pour la venue de l'archevêque aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse échanger aussi bien avec nos ouvriers ici présents. Un temps d'échange avec vous, Monseigneur, un temps d'échange également avec les familles pour avoir... Après une heure d'échange, Monseigneur Ravel se dirige vers les ateliers où travaillent près de 50 ouvriers. C'est comme le chef de l'État quand il met son casque pour aller visiter les usines. De pouvoir déjà rencontrer dès le début nos ouvriers, donc des personnes handicapées travaillant ici, mais aussi le personnel, mais aussi les membres de l'association qui soutient tout cet ensemble, mais aussi des amis, les parents, etc. Donc vraiment toute la communauté réunie dans sa diversité, diversité d'âge entre autres, puisque j'ai vu des enfants, j'ai vu des vieillards. Donc ça c'est déjà une première rencontre tout à fait extraordinaire, de voir que dans des lieux qui pourraient être marqués un peu par la séparation, il y a vraiment tous les âges, toutes les générations, une immense proximité avec ce qui est extérieur. Pour la suite de la visite, direction le pavillon Oasis. Il accueille des personnes lourdement handicapées. Tu dis bonjour. Salut mademoiselle. Tu t'appelles comment ? Salut Kelly. Oui, il y a encore du monde qui vient. Ah, il y a encore des gens qui arrivent et qui vont regarder ce que tu fais. Là, c'est très très beau. Chanter, prier, célébrer le Seigneur. Aujourd'hui, à la chapelle Saint-André, les résidents vont assister à une célébration toute particulière. Chanter, prier, célébrer son nom. C'est un geste simple. Je vais d'abord imposer les mains sur nos 5 jeunes qui vont refirmer la confirmation. Puis on va demander à l'Esprit Saint de venir sur eux. Et ensuite, un par un, je mettrai le Saint Crème, une huile très parfumée sur le front, avec une petite formule. Ils étaient 5 résidents à recevoir pour certains le sacrement du baptême, pour d'autres la communion, ou d'autres encore la confirmation. Il a vécu un baptême sous condition la semaine dernière et le mot qu'il a le plus prononcé, c'était « merci ». Pour tous les signes donnés avec ce sourire extraordinaire, voici venu le moment pour toi, Anthony, de recevoir le sacrement de la confirmation. Anthony, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'Église reconnaît dans sa sagesse, enfin dans la lumière du Christ qui l'habite, que toute personne, y compris des personnes handicapées, lourdement handicapées, peut bénéficier de ces dons de Dieu tout à fait extraordinaires que nous appelons les sacrements. C'est sur ces quelques notes, jouées par la maman de l'un des confirmants, que s'achève cette journée mémorable.
Voilà, ben on arrive maintenant à notre petite surprise. Monseigneur Ravel, qui je vous le rappelle, est le responsable de l'église d'Alsace, avait un petit mot à vous adresser. Monseigneur Ravel, en tant qu'archevêque de Strasbourg, en cette nouvelle année 2018, quels sont les vœux que vous avez envie de formuler pour les Alsaciens ? Ce sont des vœux qui vont paraître peut-être un peu banals, mais j'y crois beaucoup, ce sont des vœux de fraternité. Et comment peut se construire aujourd'hui une fraternité ? Pas simplement avec ceux que nous connaissons, avec ceux qui font partie de nos familles, familles de sang, familles spirituelles, familles sportives. Cette fraternité, entre guillemets, va de soi, malgré les heurts, évidemment, que nous connaissons dans les relations personnelles. Je parle vraiment d'une fraternité plus large, plus ouverte, qui peut même aller jusqu'à cet amour de ceux qu'on ne connaît pas ou qui nous surprennent ou qui nous font sortir un petit peu de nos schémas habituels. Je pense en particulier à toutes ces personnes venues d'ailleurs. Alors on pourrait parler des réfugiés, on pourrait parler des émigrés, on pourrait parler de tout ce qui aujourd'hui nous décale de notre cadre habituel. Alors je forme vraiment des vœux d'une fraternité, une fraternité réelle, c'est-à-dire concrète et pas simplement dans des mots, mais véritablement dans des faits et dans des gestes. Le 2 avril dernier, vous étiez installé archevêque de Strasbourg. Qu'est-ce que vous auriez envie de lancer comme relation entre l'Alsace et l'Église d'Alsace ? C'est d'abord une relation à travers les pouvoirs politiques. Alors j'insiste là-dessus, on l'a signalé, 2018 ne sera pas une année avec des élections. Alors tout de suite, évidemment, certains médias rajoutent « mais il faut préparer les suivantes ». Et moi, je préfère compléter en disant « faisons confiance aux autorités politiques que nous avons, qui sont en place aujourd'hui encore, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau départemental, que ce soit au niveau de nos élus parlementaires. Faisons confiance pour accueillir ce que j'appelle l'autorité politique, qui est absolument nécessaire dans un pays, qui est face à des choix aujourd'hui cruciaux. En 2018 seront rebattues les lois de bioéthique, par exemple, toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de dire au peuple alsacien, faisons confiance à l'autorité politique et faisons aussi confiance aux autorités religieuses avec lesquelles il y a un bon dialogue. Je crois beaucoup à cette synergie des autorités différentes, chacun dans son domaine de compétences, une laïcité que j'appellerai chaleureuse. L'Alsace est au cœur de l'Europe, Strasbourg est capitale de l'Europe. Comment, comme archevêque de Strasbourg, percevez-vous le rôle que l'Église peut jouer pour cette construction et ce développement de l'Europe ? Oui, et là encore, de façon très concrète, il y a déjà une Europe qui se construit sur les frontières. Et l'Alsace en est un exemple extraordinaire, puisque nous travaillons déjà avec, à notre sud, la Suisse, à notre est, l'Allemagne, et nous-mêmes, en tant que diocèse de Strasbourg, nous travaillons avec le Dreieckland, le diocèse de Bâle, en Suisse, diocèse de Fribourg, en Allemagne. Et tout ça nous fait dire qu'il y a déjà une synergie sociale, des gens qui viennent habiter d'un côté, de l'autre, de la frontière, qui viennent travailler ensemble. Et tout ceci doit nous dire, voilà, l'Europe de demain, c'est celle qui est maillée par des frontières, où il y a réellement déjà une vitalité commune. Il faudrait promouvoir cette Europe des frontières. Autre spécificité de l'Alsace, c'est de favoriser, de développer le dialogue interreligieux. Comment, vous, Monseigneur Ravel, avez-vous envie de vous inscrire dans cette dynamique-là ? Là aussi, je pense qu'il nous faut quitter des discussions trop théoriques sur ce qu'on appelle des connaissances réciproques qui ne débouchent pas sur des partenariats réels. Or voilà un partenariat réel qui est celui, par exemple, de construire une fraternité. Pourquoi les religions doivent être impliquées dans cette construction concrète de la fraternité ? Parce qu'elles ont un message sur le sens de cette fraternité, tout simplement parce que nous savons d'où vient cette fraternité. Nous sommes frères parce que fils d'un même père. Donc il y a un devoir de toutes les religions de croyants qui s'adresse à un Dieu comme Père, de promouvoir cette fraternité d'une façon extrêmement concrète, sur des initiatives concrètes. Comment peut-on aider aujourd'hui, par exemple, des personnes qui arrivent chez nous, complètement désaxées, désorientées ? Comment nous, religions, pouvons-nous non seulement donner un élément de solidarité concrète, mais aussi donner du sens à cette fraternité et cet accueil ? Eh bien, voilà pour ces vœux. Si vous voulez les réécouter, vous pouvez vous connecter sur le site internet du diocèse d'Alsace. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.